La France a la corbe de talent. C'est un challenge de dingue. Il y a des millions de personnes qui vont regarder. Ça fait peur. Ça fait des années qu'on attend ce moment-là. Incroyable talent, ça peut changer ma vie. D'être incroyable talent, c'est un rêve qui se réalise. J'ai envie de toucher la scène, j'ai envie de tout donner. La scène est à vous. Voilà, ça c'est incroyable talent, les gars. Ça me bouleverse que des univers aussi éloignés que toi et moi se rencontrent aujourd'hui. C'était magnifique. C'était un moment vraiment magique. C'était incroyable. Vous avez mis la barre très haute. Je te kiffe. Moi aussi, je te kiffe. T'es de la bombe, bébé. C'est rare, les gens, que tu sens qu'ils te touchent comme ça. Je les envoie directement à Bina. La meilleure de meilleure. Papa, j'ai pas vu un défaut, ça m'a bluffé. Eric, le magicien, est-ce que tu peux faire réapparaître les 3 minutes qu'on vient de perdre? Vraiment, votre numéro est absolument bluffant. Ce que vous avez fait, c'était un numéro parfait, c'était extraordinaire. J'ai vraiment hâte d'être sur scène et de... Tout lâcher. Tu donnes tout, hein? Ouais. Là, c'est que du plaisir. Et après, tu rigoles avec le jury. Bonsoir à tous! Bienvenue sur le plateau d'Incroyable Talent pour une nouvelle soirée des auditions. La tension monte et les candidats sont plus motivés que jamais. Le jury, lui, il est là. Ils sont impatients. Monsieur Eric Antoine, Hélène Segarra, Marianne James et Monsieur Sugar Sammy! Est-ce que vous êtes prêts? À 100%! Vous avez vu, le niveau est très élevé. Et quelque chose me dit que les candidats n'ont pas fini de vous surprendre. Allez, la troisième soirée des auditions, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Scoreline, je n'ai pas d'âge, je suis capitaine de vaisseau extraterrestre qui a dérivé pendant de nombreuses années dans le vide interstellaire. Et nous avons découvert votre planète, la planète Terre, grâce aux ondes de vos postes télévision émises depuis plus d'un demi-siècle. Je suis auteur-compositeur. Mes influences musicales sont Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, tout ce qui fait les années 80. Je crois beaucoup en mes chansons et il faut toujours persévérer en fait. Comme le disait Jean-Jacques Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Oh. Bonsoir. Vous arrivez de Matrix ou bien ça se passe comment? Je suis le capitaine Scoreline, je viens d'une autre galaxie. Ok, alors... Il est menaçant quand même, oui, il est en train de flipper. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire. De police, d'administration. C'est la meilleure base. Est-ce que Scoreline, il est venu nous faire part de sa passion? Est-ce qu'il veut nous dire quelle est sa passion ou il veut juste nous le montrer maintenant? Je vais vous faire un show sur un mix de mes 3 chansons. Là, tout est possible. Là, vous avez ouvert tous les possibles. Voilà. Du pire au meilleur. On va écouter. Mais j'ai peur que ça soit le pire. Bien. J'ai une prédiction. Moi aussi, j'ai une prédiction. On vous écoute. En fait, tu vas adorer, j'en suis sûr. Il n'y a pas de hasard si nos chemins se sont croisés. Lève les yeux au ciel, une lueur d'espoir. Ne regrette pas ce que tu fais. Ça, c'est la chorégraphie, ça. Dès qu'il m'a été rompu, le mal a pris le dessus. Il faut renfermer sa tempe pendant 1000 ans. Joindre tout ce calibre de la décontingence. Écoute ton cœur, écoute ta voix. Tu entends
Oh là là. Bravo. Bravo. C'est génial. Alors là. Non. Arrêtez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis pas payé assez cher pour ça. Eric, t'es magicien, est-ce que tu peux faire réapparaître les 3 minutes qu'on vient de perdre dans ce numéro? Moi, quand je vous ai vu arriver, j'ai cru voir Vin Diesel, quelque chose comme ça. Et en fait, vous êtes l'enfant de Vin Diesel et Mylène Farmer. En tout cas, dans la gestuelle, j'ai retrouvé plein de trucs de Mylène. Souvent, quand il y a des gens qui mélangent des talents, tu sais, danse et chant, et qu'il y en a un plus fort que l'autre, je leur dis « Ah, ce serait bien plutôt que vous poussiez. » Et là, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Mais en tout cas, je me suis vraiment amusé, quoi. Je n'ai pas de mots. Moi... On vote. Moi, je vais évidemment dire non, parce que j'ai mis le X. Moi, je vais dire N-O-N. C'est une année du non pour moi, ça sera un non. Eh bien, moi, je vais dire oui. Oh oui. Ça fait 3 noms. Ah oui, c'est pas suffisant pour la prochaine étape, mais quel bon moment avec vous. Merci beaucoup. Tout, t'as rien à perdre. Ça arrive qu'une fois, c'est le moment. Ouais. Les kilos, il faut que tu le prennes pour t'amuser. Ouais. Ah non, moi je suis là pour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Vous avez tout déchiré, vous êtes les meilleurs. Allez, les gars. Ouais. Amuse-toi, c'est ça qui compte. Ouais. T'as pas peur. Ouh, la chopinette. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cléa Giguère. Cléa Giguère, québécoise? Ouais. Ouais. Tu le regardes pas. Et tu viens d'où au Québec? Montréal. Montréal. Mais j'habitais à Toronto avant. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, OK. Pourquoi tu es ici à la France, un incroyable talent? Ben, premièrement, parce que j'aime danser et je le ferais matin et soir si je pouvais. Wow! Dans la vie, je suis un peu réservée et un peu timide. Mais la danse, c'est une façon de s'exprimer sans nécessairement parler. Je danse comme un monstre sur la scène. C'est quelque chose que j'aime faire et que je vais toujours aimer faire. Je vis pour ma passion. Allô, papa, c'est moi. Allô, comment ça va? Je suis à quelques minutes de monter sur scène. Je te souhaite une super de belle performance. Va chercher les jeux avec de l'émotion. Tu vas être super bonne. Je t'aime, bye-bye. J'ai venu à l'incroyable talent parce que cette compétition est importante et c'est prestigieuse. J'aime ça quand c'est difficile et que je dois travailler très fort pour réussir. J'aime beaucoup ça, le challenge. Oh là 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 là, j'ai l'impression que tu es un modèle réduit de la fiancée de Samy. Ta toute petite voix mignonne comme ça, ta petite bouille. Hein, tu trouves pas? On dirait un peu ta chérie. Ouais, c'est devenu très étrange, cette conversation, mais... Moi, j'y participe pas. On est en 2019. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans les 2 dernières années, surtout à cette émission. Alors, Cléa, la scène est à toi. Merci. Y a du niveau. You're feeling nervous, aren't you, boy? With your quiet voice and impeccable style. Ah là là, c'est fou. They can kick dirt in your face, dress you down and tell you that your place is in the middle when they hate the way you shine. Show!
jusqu'au bout, c'est génial. C'est génial. Vous voyez, le Québec. Le Québec. Il y a le cœur qui bat fort, là. Je le sens. Wow. Kia, c'était beaucoup trop court. On t'a adoré. T'as rempli la scène comme une troupe de danse. Je suis pas un spécialiste de danse, mais je pense que c'est la meilleure danse que j'ai vue. C'était incroyable. Ah, ouais. Et c'est pour toi que cette émission a créé des gens comme toi. Je pense que t'as un avenir prometteur, mais t'as pas besoin de nous. Tu sais, je pense que tu devais trouver une émission avec plus de crédibilité. Et quand tu le fais, est-ce que tu peux me recommander comme juré, s'il te plaît? On t'adore. Merci. Léa. Petit bébé, bibounette, qui a traversé l'océan, qui vient jusqu'à nous. Petit bébé, la musique démarre. Le monstre, la petite femme déterminée, l'artiste, la poétesse, la liberté qui s'arrache de ton corps, comme ça, tout ce que tu maîtrises. Je suis ravie que tu aies traversé l'océan. Vraiment, bienvenue chez nous. Merci. Cléa, c'est fou quand même d'avoir autant de féminité tout en gardant autant d'innocence. Ça m'a bluffé. Pendant que tu dansais, je pensais à Maddie Ziegler qui danse avec Sia. Tu as déjà vu ces clips-là? Et je me suis dit que tu avais déjà tout ce qu'elle avait, cette petite-là. Absolument. Elle est tellement charismatique déjà, tellement mature. Parce que c'était d'une grande maturité ce que tu as fait. Et je suis sûre que tu vas faire une grande carrière. Mais vraiment, j'en suis certaine. Voilà. Merci. Bien sûr, techniquement, c'est super fort, mais c'est déjà l'interprétation, la manière dont t'habites chacun de tes gestes. Et moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois que tu tirais une ligne, tu la tirais vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que t'allais plus loin que ton corps, tu ouvrais des espaces. Et c'est drôle parce que t'as encore ce visage d'enfant, on voit les dents, tu sais, qui sont un peu trop grandes encore pour ce jeune visage. Et en même temps, quel bonheur, quoi, de voir une telle maturité, une telle intelligence, une telle sensibilité. Tu n'étais même pas née au moment où cette émission a commencé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est toi qui lui donne vie. Bravo. Merci. C'était beau, ça. Je pense que le vote va être simple. Ouais. Un, deux, trois. Oui, oui. Merci. Bravo, Cléa. Ça merci. Fait quatre oui. Wouhou. On se revoit à la prochaine Wouhou. Étape. Ciao, Cléa. C'est trop mignon. C'est tellement excitant. J'ai réalisé un rêve aujourd'hui. Good job. Ah putain, c'est Matrice ce gars, non? Je suis assez cliente, ça. Ah, moi j'adore. Bonsoir à tous. Je m'appelle Romain Lalire, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de nouvelles technologies, d'interactivité, d'intelligence artificielle. C'est des thèmes qui m'inspirent énormément. Et d'ailleurs, j'ai imaginé quelque chose autour d'un livre, mais pas n'importe quel livre, 1984 de George Orwell. Alors, je suis sûr ici que tout le monde a déjà entendu parler de Big Brother. Et bien, ça vient de là, ça vient de ce livre. Et dans quelques secondes, cher jury, vous allez faire des choix. Et ces choix auront un impact sur la suite de mon aventure avec vous. Attention, la pression. Eric. Bonsoir, Eric. Salut, Romain. Tu es plutôt livre ou liseuse? Livre. L'odeur du papier, tout ça. Ouais, c'est ça, le côté toucher, sentimental. Le toucher. Voilà. J'ai une petite photo ici de l'intelligence qui est derrière. Tu peux vérifier que les pages sont toutes différentes, mais on n'a pas le temps parce que l'émission... Voilà. C'est un livre. Il y a des mots qui forment des phrases. Dis-moi stop quand tu veux, je vais défiler la photo. Stop. Stop ici. Ouais. Vérifie juste que tu t'es bien arrêté sur des pages totalement imprimées. Absolument. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Absolument. Hélène. J'ai juste mémorisé le premier mot de la dernière ligne. Oui, c'est bon. Vous l'avez en tête? Marianne, bonsoir Marianne. Vous avez mémorisé le numéro de la page, s'il vous plaît. C'est bon? Samy, je vous confie le livre. Vérifiez que personne ne s'en approche. C'est votre mission. Je résume. D'accord. On a donc un mot qui a été mémorisé par Hélène, un numéro de page. Eric, tu as choisi le livre. Je vous ai parlé d'intelligence artificielle et les derniers mois, elle analyse absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se dit depuis le début. Et ensemble, on va essayer de deviner ces informations. C'est parti.
Hélène, vous êtes toujours vraiment en tête? Je l'ai même noté, tu sais. J'aime bien ça. C'est bien sommeil? Un numéro de page? 244. Samy, est-ce que je peux juste ouvrir le livre à la page 244 et nous montrer que c'est bien le mot sommeil qui était au début de la ligne? La page est déchirée. Il n'y a pas de page 244. La page a disparu, elle est déchirée, garde bien le livre ouvert. Parce qu'il y a quelques années, j'étais en pleine lecture sur ma liseuse et là, le livre a été effacé à distance. J'ai trouvé ça dingue que ça arrive sur ce livre en particulier. Aujourd'hui, j'ai voulu inverser la tendance à la place de la liseuse. Yes. On a une page déchirée. Est-ce que c'est bien la page 244 avec le mot sommeil? Ouais. Mais pas n'importe quelle page. La page qui correspond. Ah, oh. Waouh. Celui-là. Bravo! Il nous a bluffé. C'est toute ma famille. Romain! Oh là là! C'est ton métier? Tu es pro ou oui, amateur? Je suis pro. Ça se voyait parce qu'on a eu tellement de magiciens de très très près comme ça, qui en tremblent et qui... Un petit peu quand même. Oui, mais c'est moderne. Merci. C'est fluide. Et toi, t'as l'air tellement à l'aise. On s'en fout, c'est peut-être que dedans, t'es complètement bouleversé. Oh, il y a un petit truc qui se passe, là, mais ça va, je suis plutôt bien. Mais en public, c'est, voilà, c'est fantastique. Et... Ah, mais ouais. T'es comme chez toi, ça te va tellement bien et sans arrogance. Parce qu'il y en a qui se sentent chez eux et qui vraiment... c'est formidable, hein, merci vraiment. Beaucoup. Merci. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ton univers et tu es dans une dimension où tu nous as emmenés tout de suite. Et en plus, j'adore les technologies, j'adore les livres. Enfin, t'as touché tous les points fondamentaux. Donc, je veux revenir dans cette dimension avec toi. Merci. Moi, j'ai adoré la combinaison. C'est un tour qu'on avait déjà vu, mais jamais combiné comme ça avec la technologie. La fluidité que vous avez, la façon de vous présenter, ça se voit que vous êtes pro. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait 16 ans que c'est mon métier. Ok, ouais, ça se voit que vous avez du métier. Et vous avez quel âge maintenant? J'ai 36 ans. 36 ans, vous avez commencé à 20 ans. Ok, c'est cool. Non, j'ai vraiment aimé votre numéro et j'ai hâte de voir plus. Merci. Très, très content que tu sois là. Je trouve qu'il y a une vraie narration, il y a une intelligence dans ce que tu as écrit, de partir de George Orwell, puis tout l'univers graphique, il y a une vraie recherche graphique. C'est un exercice extrêmement compliqué et tu l'as réussi avec brio. Là, on sent bien sûr l'intelligence artificielle qui arrive. Je voulais dire à tous les robots que si jamais ils prennent le pouvoir, je suis de votre côté, les robots. Voilà. Tu peux leur dire que je suis de leur côté si jamais Terminator arrive, tout ça. Mais sans rire, je suis vraiment content que tu sois là et je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Merci beaucoup. Vote, hein. Je crois que ça va être facile. 1, 2, 3. Oui. Ça fait 4 oui, Romain. On se revoit à la prochaine étape. J'espérais que ça se passe aussi bien que ça et je suis très content. 4 oui, des belles choses qui ont été dites juste à la fin. Donc ça fait beaucoup de bien. Je suis très content. On sent qu'il connaît le métier, il connaît son numéro, il sait, il l'a fait 1000 fois. Il l'a fait dans c'est tous beau, les ça. Contextes, on le voit. Ouais. Ouais. Ouais, c'était cool. Est-ce que tu veux essayer? Juste la mettre autour de ton... Ouais, comme ça. C'est bien, t'as du talent. Allô la régie, allô la régie. Les lapins d'Apolline se sont échappés. Je m'appelle Amy Vautet, j'ai 26 ans et mon incroyable talent est le hula hoop. J'ai toujours aimé grimper sur les murs, danser dans mon salon et mes parents trouvaient que je commençais à prendre un peu trop de place pour le salon, alors ils m'ont inscrit à une école de cirque. Alors j'ai commencé avec la contorsion. Depuis l'âge de 5-6 ans, je me suis entraînée pour ça. Ensuite, j'ai commencé à faire toutes les techniques aériennes et là, ma dernière discipline, en fait, c'est le hula hoop que je pratique depuis 3 ans. Alors j'ai participé à la saison 1 d'Incroyable Talent, j'avais 13 ans et je suis allée jusqu'en finale. Et ouais, avec Eric Antoine qui était dans les participants. Je suis content. Je suis très content. Et toi, tu fais comment quand t'es contente? Les gens sont tous ici. Il était tellement grand par rapport à moi. Moi, j'étais encore petite. Je me réjouis de le revoir, en fait, je me réjouis de savoir s'il va me reconnaître ou pas.
Pour moi, revenir à Incroyable Talent, c'était important pour le challenge personnel, mais aussi pour montrer que c'est pas parce qu'on est un artiste établi qu'on est sûr de nous. Et puis je pense que c'est important de se remettre en question souvent et pour continuer à évoluer en fait. La dernière fois, j'ai pas gagné, mais cette fois, on verra. Bonjour. Bonjour. Mais votre visage me dit quelque chose. Vous voyez ses jambes. Tu connais la terre entière, toi. Non, mais j'ai l'impression... On s'est déjà croisé, non? Ouais. non, mais... Le Macumba, comment, à 2h du matin. Comment vous vous appelez? Amy. Amy votait? Oui. Mais elle était candidate la saison où j'étais candidat en 2006, sauf que toi, t'étais beaucoup plus forte que moi. Voilà. Mais Amy, t'avais quoi? 13, j'avais 13, ouais, 13 ans. D'accord, donc maintenant, on peut se parler. C'est cool. Ouais. C'est cool. Et comment ça va depuis? Est-ce qu'Incroyable Talent a continué ce métier sans arrêt depuis cette première saison en 2006? Ou est-ce que tu as vécu d'autres choses? J'ai commencé à travailler dans le milieu, en fait. Okay. J'ai fait des tournées et là, je suis de retour, en fait, par ici. Et puis, j'avais envie de revenir à l'émission. Que vas-tu faire aujourd'hui? Parce que les autres ne sont pas censés le savoir. Je vais faire du hula hoop. Ok. Parfait, c'est une très très bonne idée. Écoute, Amy, j'ai hâte de voir l'adulte que tu es devenue. Voilà. Elle est absolument charmante. Une belle plante, hein. Belle abandonnée. Désert bouillant, tu m'as fait pleurer. Quand j'étais enfant, vert pâle adoré, vieux rose béni, ocre doux aimé, cramoisi chéri. Encore en été, et l'on se relie, les yeux dilatés. Grand jardin sauvage, rempli de frissons, pour les anciens pages. Courait au milieu des buis. Ah, comme on aimait les goûters de fruits. Comme ça, où je me dis, waouh, moi, cette année, mon Golden Buzzer, j'aimerais que ça soit du cerceau, tout ça, du hula hoop. Parce que je pense qu'on a une vieille image de cette discipline. Et je voudrais préciser quand même que tu as fait un choix super osé au niveau musical. C'est-à-dire que là, tu pars sur du Brigitte Fontaine, où tout le monde va se dire, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, tu as tout simplement raconté une histoire. Tu as fait une planète, tu as raconté des jeux d'enfants, tu es revenu à des choses plus adultes. J'ai vraiment trouvé ça parfaitement rodé, parfaitement réussi. Bravo. Merci beaucoup. Une si grande maîtrise, une si grande simplicité, une évidence, l'harmonie, la beauté et apparemment la modestie. Merci beaucoup, merci. Moi j'ai trouvé le numéro très élégant, c'était sensuel, la musique, ça marchait bien, je pense que tu as bien raconté l'histoire. Mais moi je me demande qu'est-ce qui va arriver à la prochaine étape.
Bah, beaucoup de choses. Ça, c'est 2 minutes 30. Je fais du travail normalement qui est sur 8-10 minutes. Et puis ça, c'est une chose, mais je fais d'autres choses aussi. En l'air, du cerceau, okay. Du tissu. Ok. Écoute, Amy, je suis content parce que je me souviens de cette jeune fille que tu étais. Et là, tu es passée de jeune fille à jeune femme, de jeune femme à femme. J'ai trouvé que dans tes choix de figure, tu passes justement de quelque chose de très hula hoop à quelque chose de plus aérien. On voit vraiment l'artiste pure, celle qui a tout réfléchi, qui vit pour son art, qui respire pour son art. Et puis ton calme. C'est-à-dire, tu arrives sur scène ici et tu as 10 ans de boulot, de cirque, de tout ça. Et là, je sais que si on va te garder, on va penser à chaque fois à un moment délicieux. Donc, merci d'être venu. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci. Je pense qu'on va voter tous les quatre d'un coup. Ça ne va pas être très difficile. Vas-y, lance-le. Un, deux, trois. Oui. Oui. Merci beaucoup. Ça fait 15, oui, bravo. Oui. Merci. C'était tellement sobre, tu vois. C'est sobre, c'était beau. Ouais, mais parce que toi, tu sais, t'as besoin toujours qu'il y ait de l'esbrouf, du spectaculaire. Écoute, moi, je toi, t'aimes bien quand les gens en fait, ils font. T'aimes le bling-bling, quoi. Tu vois. C'était vraiment touchant, en fait, de revenir et puis de revoir Eric et d'entendre ses commentaires aussi. J'ai eu plein de beaux compliments. Du coup, je repars avec tout ça et je suis hyper contente. C'est qui l'incroyable talent ? C'est Azilis. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Azilis. Azilis, vous venez d'où ? Oui, de Picardie, d'un petit village. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis agent administratif. Je fais les passeports. Bien. Cartes d'identité. Tu vois, les passeports, l'identité, si tu veux rester un jour chez nous. Non, voilà. J'ai pas besoin. D'accord, merci. N'a pas besoin. Quel est votre numéro ? C'est l'imitation, en fait. Ah, super ! Ça a commencé l'imitation quand j'avais 12 ans. Quand j'ai vu le sosie d'Edith Piaf. Je participe à la France à un incroyable talent. Pour entrer dans la lumière. Ça me met un stress supplémentaire de devoir chanter devant Hélène Zegara, sachant que je vais chanter sa chanson et que ça va être tout blanc ou tout noir. C'est bon, l'interview est terminée? Coupe la lumière, coupe le son des branches. Dit ça? Oui. Histoire de voir où nous en sommes. Si je sais que tu mènes la vie, tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Pas encore Bambino. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Ça, c'est pas mal, ça. Que les feuilles mortes brûlent et les feux de bois. Avoir Paris si beau cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Tu l'aimes si fort et toi en plein soleil j'ai froid. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Voilà, mais c'est fini, voilà. Ouais, j'avais pas tous les référents, mais je savais que c'était mauvais. Écoute, je pense qu'il va y avoir une mise en demeure des chanteuses, même celles qui sont décédées. Pour moi, c'était un pot pourri d'imitation, et je mets l'accent sur pourri. Ta sensibilité et ta voix sont là. Après, il y a une chose qui ne va pas, c'est que tu n'écoutes pas assez la musique, donc souvent tu t'es énormément décalé au niveau rythmique. C'est une catastrophe, j'ai complètement raté ma prestation, j'en suis très consciente. Pour les points positifs, sérieusement, t'as une voix. Le problème pour moi, c'est un problème de jeu et de présence sur scène. Mais j'ai quand même écrit qu'il y avait des choses que j'ai aimées, même quand j'ai préféré, quand ça s'est arrêté. Voilà. J'avais l'air très stressée et nous, on a surtout assisté à ton naufrage. On va voter. Bon, écoute, moi, ça sera non. En toute justesse, aujourd'hui, c'est non, mais avec un potentiel. Moi, c'est un non ferme. Et moi, c'est un non aussi. Au revoir.
Chanter sur une scène, mais c'est impossible, quoi. C'est impossible. Déjà, au camping, j'ai merdé. Ici, je merde. Je me dis, mais comment on fait, quoi? Non, franchement, là, le public, ça va pas. Je supporte pas. C'est trop compliqué pour moi. Allez, à toi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Oh, t'as l'air stressé, non? Non, ça va. Donc c'est ta voix normale, ça? Oui, oui. Je m'appelle Clément, je joue de l'accordéon, j'ai 20 ans et j'habite à Nice. Moi qu'il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. J'ai commencé l'accordéon à l'âge de 6 ans et c'est mon pépé qui m'a appris à en jouer. Ce que je voudrais prouver en passant à Incroyable Talent, c'est que toute la France me voit et voit qu'on peut jouer de l'accordéon et être jeune. Est-ce que tu es professionnel? Est-ce que tu en vis? Oui, j'ai un duo avec mon grand-père et on joue ensemble pour des événements comme des thés dansants, par exemple. Clément, la scène est à toi. Jouer et tu sais, merci. Moi, mon grand-père, il était fan d'accordéon et je trouve que parfois c'est un peu un instrument qui est méprisé, mais tu viens totalement de le dépoussiérer et je crois que plus jamais quelqu'un, grâce à toi, dira que l'accordéon c'est ringue. Merci. Franchement, je crois que je suis plus bluffée par ta tête d'ahurie quand tu es arrivé jusqu'à nous, Clément. J'ai pas vu arriver que tu étais pas ce petit gars démuni un peu à l'ouest. Tu as bien, bien caché ton jeu. Le contraste était saisissant. Bien évidemment, la musique, la distorsion, toutes les pédales, voilà. Merci. Ouais, je suis assez d'accord que quand t'es sorti, que tu commences à nous parler, oh man, on allait se faire chier. Accordéon, un gars qui a zéro confiance. Oh, ça va être long, ça va être lourd. Et dès que t'es parti, j'ai dit, waouh, OK, il nous a bluffé. Et t'as rendu l'accordéon beau et cool. Alors, c'était tout à ton honneur. J'aimerais tellement qu'une partie de ce que tu as dit au début soit vraie. L'été dansant avec ton grand-père, c'est vrai ou pas? Parce que j'imagine tous les vieux morts, là. Comme ça, ça ferait tellement rire.
Mais tu sais, je trouve que l'accordéon, c'est comme magicien, c'est la ringardise absolue. Tu le rocker, quand il rock la guitare, les filles, elles le voient rocker, elles font « Waouh, comment il tient sa guitare ! Ça doit être un coup splendide au pieu. » Et le magicien, quand il fait apparaître une colombe, les filles, elles font « Waouh, il faut apparaître des colombes, il doit encore vivre chez sa mère. » Tu vois ? Et l'accordéon, c'était du côté du magicien, et là, tu viens carrément de le faire passer du côté des rockers. Mec. N'empêche que, juste une question, quand tu as commencé cet instrument, tu avais quel âge ? J'avais 6 ans. Et quand tu avais 6 ans, tu pensais pas en faire un death metal total, quoi ? Pas trop, non. Donc tu as fait des études d'abord sérieuses ? Ouais, j'étais le gars qui vient de marcher, là. C'était moi avant. Pour moi, c'est un grand, énorme, fantastique rock'n'roll, oui. Bravo, Clément, t'es de la bombe. J'ai envie de voir plus, j'ai envie de voir comment tu vas hausser le niveau. Il faut nous bluffer, mais je te dis oui. Effectivement, la question, c'est quoi faire ? Puisqu'on a déjà vu le premier personnage, tu pourras pas nous avoir avec ça. Donc, ouais, je suis bien curieuse. Je te donne un oui, très sérieusement, oui. Un quatrième oui pour toi, Clément. Ça fait 4 oui, Clément. 4 oui, mec. On se retrouve à la prochaine étape, bravo. Ah, je me sens trop bien. C'est cool, c'est délivré. J'avais peur qu'il me buzz pendant mon personnage Musette. Et c'est bon, ils m'ont laissé aller jusqu'au bout et très content. Tout le trajet qu'on a fait pour présenter une pièce comme ça, je pense que ça vaut la peine. Mais oui, c'est ça qu'il va faire. On va casser la baraque. Tu te sens prêt du coup Ouais, essayer de vraiment chanter avec le cœur, de faire passer le message, mais un peu stressé de se retrouver devant le jury. Je suis un peu stressée, mais bon, ouais. En même temps j'ai hâte, en même temps c'est le stress. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Salut. Bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous ? Raman. Et Joël Landy. OK. Et vous venez d'où ? Québec. Montréal-Ouen. Vous êtes de Montréal, mais vous êtes de quelle origine ? Moi, je suis moitié algérien, moitié espagnol. Moi, je suis cubain. Cubain. D'accord. Algérien, cubain, donc deux personnes qui ne peuvent pas voyager aux États-Unis. Je comprends. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Ouais, moi aussi, c'est mon plan B de travailler ici. J'attends America's Got Talent. Dites-moi, quel âge avez-vous? Moi, 23 ans. Moi, j'ai 28 ans. OK. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est tous les deux danseurs professionnels. Et moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 7 ans. OK. Puis j'ai étudié pendant 8 ans dans le conservatoire de danse à Cuba. Puis... Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé dans une maison des jeunes. Puis ça m'a mené à devenir danseur professionnel, puis de déménager à Montréal, puis de... Vive mon rêve. Wow, bravo. Et comment vous êtes rencontrés? C'est une belle histoire. Je le dis d'avance parce que je la trouve belle, puis je l'assume. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans une compétition de danse à Montréal, l'un contre l'autre. Puis il y a une étape, juste avant les demi-finales, qu'il fallait jumeler les deux danseurs ensemble. Danseurs de hip-hop. Ouais, on se connaissait pas du tout. Danseurs de hip-hop, danseurs de contemporain. Puis on a juste commencé à tous raconter, tous parler, vraiment comme apprendre à se connaître. On a fait notre compétition, ça a super bien été. On s'est trouvés. On a juste continué de travailler ensemble. J'adore ça, j'adore ça. Il y a combien de temps qu'on vous a jumelé? Ça fait un an déjà. Un an. Un an. Et là, vous avez appris à vous connaître dans un an et vous avez des vies complètement différentes, non? Totalement. Moi, je suis jeune étudiant, danseur urbain. Yoé, c'est un papa qui a un bébé. C'est un danseur contemporain. D'avoir été mis ensemble dans un contexte aussi naturel que ça, ça a juste formé une nouvelle amitié. Ce que j'aime le plus de Yoé, c'est son honnêteté. C'est vraiment quelqu'un totalement vrai, puis qui est naturel. Il a jamais essayé de forcer de me plaire. Il danse tellement pour les bonnes raisons. Il danse parce que ça lui fait du bien. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime autant donner. Il attend rien en retour. J'adore travailler avec lui. On est tellement différents. Être mélangé, c'est beau, puissant et fort. On est vraiment formé une alliance, je pense. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'être un danseur, être un artiste en général, c'est vraiment quelque chose de difficile côté monétaire. Je trouve qu'avec 100 000 euros, pas de dollars. Il y a une grande différence, c'est pour ça que je suis ici. Ouais. That's my... Mais je pense que c'est vraiment de continuer à se former. On est tellement chanceux de faire ce qu'on fait et de le partager que si on fait ça, je pense que ça serait juste de... Tu sais, un rêve, c'est pas fait pour se faire vivre seul. Fait que je pense que c'est de le partager pour de vrai. Je les adore déjà. Ouais. Ouais. Les gars, la scène est à vous. Merci beaucoup.
c'est mignon. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Magnifique. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... Mais c'est pour moi la meilleure prestation de danse de la saison, de très 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 loin, la meilleure de meilleure. Il y a de l'Algérien, il y a de l'Espagnol, il y a de Cuba, il y a le hip-hop, le contemporain, du classique, de la rue, et tout ça, ça crée autre chose, quelque chose de nouveau. Ça prouve encore une fois que c'est en se mélangeant, en se rencontrant, en écoutant la différence de l'autre, qu'on s'enrichit et qu'on crée des œuvres exceptionnelles comme ce que vous venez de créer. Moi, je me suis pris des poings dans la gueule. J'ai pas décroché une seconde de votre prestation. Il y avait en plus de ça une intelligence technique avec des mouvements que j'avais jamais vus. Il y a une amitié entre vous, une énergie entre vous. Je suis tellement content que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci. 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 Un énorme merci. Merci. Parce que je trouve que le speech que vous venez de faire, c'est vraiment important que beaucoup de gens l'entendent. Parce que le métissage, c'est vraiment quelque chose que les gens ont peur de faire. Puis c'est vraiment, vraiment c'est important. Ça. C'est ça que vous êtes. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça. J'ai envie de me métisser, là. Bon. Oh, métissons-nous! Mais tu l'es, métissé. Mais moi, je suis déjà métissé, mais j'ai envie de me métisser encore plus, là. Je trouve qu'il a 100% raison dans ce qu'il vient de dire. Pour moi aussi, c'était sûrement une des plus belles prestations qu'on ait eues. J'ai pas vu un défaut. La narration était hyper ingénieuse, avec plein d'émotions, plein de sentiments racontés par des figures que je connaissais pas. Et surtout, vous avez illustré quelque chose de très important pour moi. C'est la fraternité. En fait, je pense que vous êtes des âmes sœurs. Vous vous êtes bien rencontrés. Chacun montre ce que l'être sait faire. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que dans votre sentiment, il y a eu l'oubli total de l'ego, alors que le talent, il est en chacun de vous. Bravo pour ça. Wow. Merci beaucoup. Effectivement,
Ce qui me bluffe le plus chez vous deux, c'est que vraiment ton vocabulaire, toi qui viens de l'urban dance, et toi bien évidemment, sur quelque chose de contemporain et de classique aussi, aucun d'entre vous n'a lâché son vocabulaire. Vous êtes venus avec deux langues, de corps différents, et vous les avez mélangés, mais avec une telle maestria, avec un tel travail, avec une telle rigueur, avec une telle ingéniosité et de l'humour, avec des petites expressions, tête renversée, etc. C'est que ma deuxième saison, mais vraiment, votre numéro est absolument bluffant, réjouissant. C'était merveilleux. Moi, déjà, je m'identifie, je suis très attaché à vous parce que je pense qu'on se connaît en étant Montréalais, en venant d'origines différentes. Et puis, j'adore cette amitié que vous avez entre vous. J'adore cette diversité que vous amenez ici aussi. Et je suis content de vous voir vous épanouir partout dans le monde et d'être ici parmi nous ce soir. Ce que vous avez fait, c'était extraordinaire, c'était un numéro parfait. Deux personnes, non seulement qui sont différentes dans leur corps, mais d'origine, venir ensemble et composer quelque chose comme ça, c'était extraordinaire. Merci d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un énorme, gigantesque, simplissime oui. Merci. Oui. Mon absolu oui. Moi, si je vous dis oui, les gens vont m'accuser de favoritisme, donc je ne peux pas vous donner un oui. Je vous donne... C'était magnifique. On est super surpris, on s'en attendait vraiment pas. C'est la chose plus beau, je pense, que ça nous arrivait. Je t'aime, Roman. Je t'aime. Ah, je t'aime. On y va? Allez. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir, France. Quelle entrée! Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alyssa Gutkova. Ah, Gutkova. Ma personnalité est multiculturelle parce que je suis née à Moscou. Maintenant, j'habite à Portugal, la merveilleuse île de Madère, fleurissant, verdissant, jolie, jolie. Génial. OK. Quel âge avez-vous, ma chère Alyssa? J'ai 16 ans. Ah oui, vous êtes jeune, si jeune. J'imagine que vous chantez. C'est une surprise pour vous. Pourquoi as-tu commencé à chanter? C'est ma bonheur. J'aime les applaudissements. Elle aime les... Elle est honnête, merci au moins beaucoup. Elle est honnête. J'adore. Merci beaucoup. J'aime l'applaudissement. J'aime l'applaudissement. Ça, je la garde. Ça, elle est trop mignonne. Je ne peux pas vivre sans ça. C'est comme ma maison. Pourquoi avoir choisi la France a un incroyable talent? Parce que... Première, je pense que la langue française est la plus belle de tout le monde. Je ne parle Merci. Pas très bien. La langue française est une des plus belles. Oui. Parce que j'aime la culture, l'histoire française. c'est rien, Alyssa, c'est rien. C'est sa petite crise, après ça passe, ça passe. J'ai une vraie passion pour la France. J'ai visité des régions... La Bretagne, la Normandie, l'Alsace, les Rhône-Alpes. J'aime la musique française. Ma chanteuse préférée française est Edith Piaf. Elle est merveilleuse, elle est céleste. J'aime vraiment Edith Piaf.
Peut-être c'est un peu original pour mon âge. On m'a déjà dit que je suis comme un extraterrestre parce que j'écoute cette musique. Mais moi, ça me plaît. On va vous écouter, Alisa. Merci beaucoup. C'est à vous, merci. C'est à vous. L'année dernière, il y a quelqu'un qui a chanté des chansons de quelqu'un qui est décédé en France et il a gagné la compétition. Alors toi, ça peut que fonctionner pour toi. Moi, honnêtement, j'avais peur parce qu'elle est venue, elle était flamboyante et je me suis dit, j'ai déjà des chanteuses excentriques à côté de moi. Et là, d'ajouter une troisième. Mais quand t'as commencé avec le piano, je me suis dit, waouh, elle joue super bien. Et là, t'as commencé à chanter et tu nous as éblouis avec cette chanson. T'as une très belle voix. Je pense qu'on a aimé. Merci. Ouais, merci d'être venu. C'est marrant, Marianne disait une chose très juste pendant que vous chantiez, c'est qu'on sent les influences des pays que vous traversez. Parce que quand vous étiez assise au piano, vous avez fait une petite appoggiature qui fait « Je me fous du passé ». On aurait dit un peu Linda de Souza. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais la même peur que Samy. Je vous trouve très théâtrale. Et je trouve que vous avez une vraie grande personnalité pour votre âge. Vous avez une voix très puissante et très belle. Mais parfois, il y avait des notes qui étaient oh, c'était la surenchère. Et en fait, votre côté excessif, je l'ai aimé quand même. Voilà, tout simplement. Merci. Oh, voilà, comme ça, tu finiras. C'est peut-être mieux que c'est toi qui finisses parce que je pense que tu vas finir en apothéose. Parce que là, c'est quasiment toi à 16 ans. Enfin, y a... non, mais je veux dire, non, mais sérieusement. C'est pas faux. Bon, moi, vous êtes rentré sur scène, je vous ai adoré à la première seconde. Vous avez 16 ans et cet esprit qui vous habite et ces connexions avec ces gens, on transmettra à Edith Piaf, enfin, on lui dira tout ce que vous avez dit. Ce métissage intellectuel qui est le vôtre, moi, j'en suis fan absolu. Après, moi, à 16 ans, j'étais aussi fan de Piaf, plus de Brel et Brassens. Et je voulais vous dire, j'ai mis très longtemps à avoir une petite copine à cause de ses goûts. En tout cas, pour conclure, je voudrais dire que s'il y avait plus de gens comme toi sur cette planète, eh ben, je verrais beaucoup plus souvent la vie en rose. Alors, merci. Oh merci. Alors, tu n'es faite que de défauts.
si jeune, si bavarde, si excentrique, si borderline, et des aigus, et des graves, et la voix bouge dans ce sens, la voix bouge dans ce sens. Le grand arpège de piano à droite à gauche, il manquait des notes, il y avait trop de notes. C'est vrai que tout ça a été un petit peu bordélique, mais c'est ce qu'on appelle une grande personnalité. À ton âge, ne change rien. Ta voix, ton vibrato, ton amour pour Piaf est venu parmi nous. Vraiment, Alissa, c'est une très, très, très belle rencontre avec toi. Tu sais que tu amènes la joie, donc ton pari est réussi. C'est la joie que t'amènes aux gens. On a envie de réécouter tout Édith Piaf. Et c'est difficile à chanter, Édith Piaf, hein. Et surtout que c'est pas sa langue maternelle. Non, ouais. Mais elle a chanté comme du portugais, ouais. Comme du russe. C'était tout très mélangé. Très, très, Alissa, j'ai adoré. On vote? On vote? 1, 2, 3. Oui. Ça fait 4, oui. Alissa. Bravo. Merci beaucoup. Alissa, bravo. Tu as dit que les applaudissements, c'était comme ta maison. Ben, tu peux commencer à installer tes affaires, hein, je pense. Merci. Au revoir. Merci. Hélène, qu'est-ce que tu as dit? Je pense que le monde n'a pas entendu. C'était... Elle a dit tout à l'heure, j'aime les applaudissements. Les applaudissements, c'est comme ma maison. Et j'ai dit, ben, je pense que tu vas pouvoir poser tes affaires et t'installer dans ta maison parce qu'elle en a eu des applaudissements. Tu as compris ou pas? Arc. Est-ce que tu as compris? Arc. C'était un mot d'esprit. Arc. Qui t'a le plus peur dans la jury? Super Samy? Oui. Ouais, j'ai vu un de ses sketchs. Ouais. Mais ses sketchs sont géniaux, mais moi, ce qui me dérange, c'est son accent. L'accent canadien? Ouais. Alors, tu sais quoi? Tu vas me faire plaisir. Tu vas lui dire. Attention. Eh ben, quelle entrée, dis donc. Salut, comment tu t'appelles? Betty Lou. Quel âge as-tu, Betty Lou? J'ai 12 ans. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? De l'humour. C'est vrai? Ben, ça marche bien. Tu vas sans doute beaucoup mieux réussir que Samy et moi. Tu es venue avec qui, Betty Lou? Les deux, là, les vieux, là, c'est mes parents. Je l'adore déjà. Et le mec super beau à côté de ta mère, c'est qui? Ah, c'est David Ginola, pardon. Super beau? Non, je crois pas. Attention, hein. Attention, toi, hein. Et qu'est-ce que tu viens faire ici sur cette émission, alors? Je viens m'amuser, parler du Rire Médecin. C'est une association qui consiste... Des clowns viennent dans les chambres des hôpitaux pour amener de la joie aux enfants malades qui n'ont pas forcément envie de sourire. C'est super. Pourquoi tu soutiens cette association plus qu'une autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, petite, à 2 ans, j'ai eu une leucémie. J'ai eu 3 ans de traitement. Après, j'ai rechuté à 6 ans. Alors, en fait, j'ai beaucoup connu les clowns. Betty Lou est tombée malade à 23 mois. Elle a passé beaucoup de temps à l'isolement, en chambre stérile. Ce qui m'a guérie, les médicaments, évidemment, mais moralement, c'est vraiment les clowns. Eux aussi, ça les a aidés. T'as vu, moi, j'ai pas été si dur. Lui aussi, là. Les clowns du Rire Médecin, ça m'a donné envie de faire de l'humour. Et du coup, voilà, je me retrouve là, à la France, à un incroyable talent. Le rire, l'humour, c'est son aiguillon, c'est ce qui lui permet de montrer que voilà, la vie, il faut en profiter, elle est légère, il faut s'amuser. Le même moment, c'est elle qui nous donnait la force de tenir avec son caractère, justement. J'ai voulu venir à un incroyable talent aussi pour remercier mon donneur de la région de Toulouse qui m'a offert ce don de moelle osseuse en 2013. C'est anonyme, du coup, moi, je peux pas savoir qui c'est, mais peut-être qu'il se reconnaîtra. Peut-être que ça donnera envie à d'autres personnes de donner leur moelle osseuse et permettre à une petite fille comme moi de monter sur scène, peut-être, hein. Qui sait.
Betty Lou, je vais te dire, tu emmènes déjà beaucoup de joie autour de toi. C'est super. Et là, tu as l'air en très bonne santé. Alors, j'espère que tous ces problèmes sont réglés et que ça sera réglé pour toujours. Ouais, c'est réglé. Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc, tu vas faire de l'humour. Mais est-ce que tu fais un truc que tu as écrit toi? Tu prends un truc de quelqu'un que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu fais? Non, là, je trouve que je suis encore un peu trop jeune pour écrire mes sketchs. Là, pour l'instant, j'interprète le sketch de Florence Foresti. D'accord, super. Lequel? Ah ben, vous allez voir, hein, c'est une surprise. Ok, ok, t'as raison. C'est quoi? Je vais fermer ma bouche. J'ai bien compris. Tu te la pètes un petit peu, mais ok, c'est cool, ok, c'est cool. Betty Lou, maintenant, c'est à toi de jouer, ok? Merci. Il y a des garçons dans la salle? Ouais. Mais j'entends pas. Il y a des garçons dans la salle? Ouais. J'aime pas les garçons. C'est tout pourri, les garçons. Ça sent mauvais. Oui, ça sent mauvais. Dans les bras et dans les pieds. Tous. Mais c'est parce que ça se lave pas, les garçons. Non, ça se lave pas, les garçons. Quoi ça sert que je me lave sur peau aujourd'hui? Oui, mais bon, ça fait quand même 6 jours que t'es pas sorti. Puis les garçons, c'est gros. C'est tout gros. Mais c'est parce que ça a toujours faim, les garçons. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut manger, les garçons, ça veut toujours manger la même chose. De la viande et des patates. Bon, tu veux quoi aujourd'hui, chérie? Un filet de bœuf. Et ce soir, une côte de bœuf. Et comme légume, une patate. Tiens, je la veux ta patate. C'est bon, elle est lancée là. Elle est partie. Et puis les garçons, quand c'est malade, ça croit que ça va mourir. Je me suis coupée avec une enveloppe. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Non, j'aime pas les garçons. Heureusement, il y a des filles dans la salle. Ouais. J'aime pas les filles. C'est n'importe quoi, les filles. C'est fou, les filles. Je suis allée chez le coiffeur. Il m'a raté, il m'a coupé tout ça. Je vais me suicider. Je vais me tailler les veines. Passe-moi une enveloppe. Non, j'aime pas les filles. Et j'aime pas les garçons. Heureusement, il y a des enfants dans la salle. Ouais. Il y en a moins. Hein. C'est fini. Quel tempérament. Tu promets, toi, hein, je peux te dire. On va pas s'ennuyer avec toi. T'as beaucoup de présence sur scène. Ça m'embête presque que t'aies joué le sketch de quelqu'un d'autre, parce que j'ai envie de voir tes gags à toi. Tu te rends compte déjà la personnalité que tu as à ton âge. Fais attention à tes aigus, parce que quand tu pars dans les aigus, du coup, on n'entend plus ce que tu dis. Et je sais de quoi je parle. Donc, et vraiment, c'est très, très prometteur. Merci. T'as vraiment une petite bulle pétillante. Ouais. Dès que tu montes sur scène, on t'aime. Et le plus tu continues ton numéro, le plus on continue à t'aimer et t'aimer encore plus. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre à quelqu'un. Et la vanne que tu as fait sur David et sur tes parents, c'était incroyable. En plus, tu admets que tu fais le numéro de quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus que plein d'humoristes français. Et puis, on a hâte que tu écrives tes numéros à toi aussi parce qu'on a envie de te connaître. On a envie de voir ton humour et ta vie. Et ça, je pense que c'est un signe d'une grande humoriste. Quand tu es arrivé sur scène, ton visage, ton expression et la manière dont tu habites le plateau, c'est déjà très adulte. Et c'est vrai qu'un texte, là tu as pris celui de Foresti, que je pense qu'on adore tous et on s'incline devant son talent. On aurait, je pense, adoré, vu le peu que tu nous as raconté sur ton propre parcours, la maladie, la guérison, mais ton regard aussi à l'hôpital sur un docteur, sur une infirmière, sur un enfant, sur toi, sur ton désespoir ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends pas compte à quel point tout passe par toi. Tout ce que tu as envie de dire, tout ce qui te passe par la tête, tu fais mouche à chaque fois. Si tu pouvais écrire tes vannes à toi, raconte-nous ta vie, ça doit être passionnant. Merci. Je suis mille... Enfin,
aucun désaccord avec ce que viennent dire mes collègues, c'est vraiment exactement ça, sauf que tu n'as que 12 ans et que l'écriture, ça prend du temps, ça prend de la maturité, ça prend de l'expérience. Parce que c'est ça qui est formidable avec les êtres qui sont confrontés à des expériences difficiles, c'est qu'ils grandissent intérieurement, intellectuellement, émotionnellement beaucoup plus vite. Et on sent ça en toi. Et moi, il y a une phrase que j'adore, c'est Leonard Cohen qui a écrit ça, qui dit « En chaque chose, il y a une brisure et c'est comme ça que la lumière rentre. » Et je trouve que toi, il y a une lumière que tu dégages autour de toi, mais qui est d'une qualité, t'as un niveau de vibration. C'est un bonheur. Et puis, ton histoire, elle fout un peu les larmes aux yeux et toi, tu fais rire. Et donc, les deux mélangés, ça fait un arc-en-ciel. Ah. Merci. Là, on va voter. Ouais. Moi, je peux pas cacher le fait que j'ai envie de te revoir ici, donc moi je dis oui. Moi je dis oui. Oui, évidemment oui. Ça fait 4 oui, Betty Lou. Bravo. On se voit à la prochaine étape. Attendez, attendez, parce que Betty Lou, tu m'as dit quelque chose en coulisses. Tu m'as dit que tu étais allé voir quelqu'un en spectacle. Suga, Samy. Tu n'as pas aimé. J'ai beaucoup aimé le sketch. Mais l'accent m'a un peu dérangé. On n'a pas le droit de passer. Vous avez dit oui. Quel kiff. Bravo, Microbe. On s'est éclaté. On s'est trop éclaté. T'as trop bien réussi. Je me suis éclatée. C'était magique. On l'adore tout de suite. On l'adore et on continue à l'aimer encore plus. On tombe en amour. Oui, c'est juste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, madame, merci. Bah, il me semble que vous êtes une madame. Oui, je suis une madame. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Yvan Gilbert. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je fais voler des oiseaux. Mesdames, messieurs, les enfants, une proposition musicale totalement improvisée. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Oh, bébé. Est-ce qu'on mettrait un petit peu de musique? Attendez, attendez, Yvan, vous êtes rapide, hein, quand même. Mais moi, je suis un enfant et un peu insolent. Alors moi, vous pouvez bien me poser des questions. Mais en fait, j'exprime le langage des oiseaux. Vous avez entendu parler du langage des oiseaux? Aïe, elle me mord. Eh bien, moi, j'y connais rien, je dois bien vous le dire. Alors, c'est la raison pour laquelle je préfère jouer de la flûte. Applaudissements, okay. Mesdames. Okay. On va mettre un peu de musique. C'est qui a buzzé? C'est vous. Moi, c'est moi. Eh bien, vous avez bien fait. Parce que ça, ça me rend service. Vous savez pourquoi? Vous allez me mettre dans la réflexion. Pardon, est-ce que le numéro a commencé? Ah ben non, monsieur, il est terminé, hein. Et c'est terminé? Eh oui, monsieur. Ah, mais en plus, vous me faites faire des fausses notes. Pour la finale, vous allez la regarder d'où? Est-ce que... S'il y en a qui pensent que je suis un peu perché, eh ben ça tombe bien parce que je suis au niveau des oiseaux. Les oiseaux ont fait ce qu'ils ont voulu finalement. Et là, il ne s'est rien passé, du tout. D'accord, pas voilà. D'émotion, rien. Franchement, ça vous a un peu échappé. On vote. Ah. Allez, moi je dis oui. Moi je dis non. Je dis oui, un oui amical. Ah, c'est très amical, mais c'est très beau. Eh, un amour avec un grand A, c'est l'amicalité. J'avais quand même envie de voir quelque chose de plus structuré. Donc je vais vous dire non. Et donc avec deux noms de oui, on ne continue pas l'aventure avec vous, tout simplement. Voilà, c'est aussi ça, Incroyable Talent. C'est une émission qui ne finit jamais. Ah ouais, quand même. Yvan, vous pouvez sortir de ce côté-ci. Bonne chance pour les attraper, les oiseaux, hein. Oh là là, c'est pour moi, enfin. Ça me donne faim. Comment s'appellent tes bestioles? Alors, Yoko, Alaska et Shana. Oh, j'ai
génial. Pas mal. Allez. Bien sûr. Mais tu peux y arriver, tu peux le faire. Yes. Bah, il est malin, il va pas se fatiguer pour rien. Ouais. Écoute, s'il commence à baiser, je golden bass. Ce qui est fort, c'est qu'ils sautent les obstacles, ils ne se sautent pas entre eux. En termes de dressage de lapin, c'est déjà pas mal. Mais les gars, pourquoi vous ils basez sont stérilisés, alors ils ça risquent va. Pas de faire quoi. Ouais. Ils sont stérilisés, c'est ce qui va t'arriver, stérilisés. T'inquiète pas, Pauline, ça nous plaît quand même. Non, pas vraiment, mais... Non, mais ça va pas. Ça fait trois noms, hein, oui. L'aventure s'arrête là pour vous. Merci d'être venu. Salut. Mais c'est pas un gros défi pour les lapins de sauter. C'est comme une compétition de nage pour les poissons, de vol pour les oiseaux, de bronzage pour David Ginola. C'est pas un défi. Bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Alors, nous sommes 11 papas des aquarines. Qu'est-ce que c'est les aquarines? Il faut expliquer. En fait, nous sommes des papas de filles qui pratiquent la natation artistique. D'accord. D'enfants de quel âge à peu près? Entre 10 et 15 ans. Notre incroyable talent, c'est de rendre hommage à nos filles qui pratiquent la natation artistique. On s'est rencontrés au centre nautique. À force d'attendre sur les bancs, de les emmener à chaque fois à des compétitions, on a pu tous créer des liens d'amitié qu'on n'aurait pas pu faire autrement. On vient tous de différents horizons. Je suis directeur matériel d'une entreprise qui distribue du gaz. Je suis ingénieur informaticien. Moi, je suis médecin généraliste. Fonctionnaire à la préfecture. Cadre de l'aéronautique. Policier. Agent de la RATP. Il y a une maman qui a lancé un défi. Elle nous a dit, bah, écoutez les gars, pour le gala du club, organiser un spectacle surprise pour nos filles. On a eu un tel succès qu'on s'est dit on va aller jusqu'au bout de nos rêves et aller à l'émission Incroyable Talent. Moi, mon papa, tous les matins, je le vois partir au travail avec un costume et là, de me dire que devant un public énorme, il va se mettre en maillot de bain à paillettes, ça me fait vraiment bizarre. On est venus les accompagner à Incroyable Talent parce que bah, on veut leur montrer que nous aussi, on est derrière eux, qu'on les aime très fort et qu'on les soutient et que on sera toujours là pour eux et puis voilà. À quoi ? La prestation a pour but de rendre hommage à nos filles. On espère que ça va bien se passer parce qu'on aimerait que nos filles soient fières de nous. Hé les papas, on croit en vous, vous allez tout déchirer. Allez, on vous regarde. Oh, j'ai peur, j'ai envie de pleurer. Ha ha ha!
là, le plaisir de faire quelque chose qui ne sert strictement à rien. Juste le bonheur pour vos gamines et l'autodérision de ce groupe d'hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui s'amusent, voilà. Alors, juste rajouter un truc, ce qui nous différencie par rapport au Full Monty, c'est qu'on n'est pas des chômeurs. Enfin, pas jusqu'à maintenant. D'accord. On verra après. Bah écoutez, alors je vais être très honnête avec vous. Il n'y a pas d'incroyable talent dans ça, si ce n'est une incroyable aventure de venir jusqu'à nous, d'amener tant de joie. Et moi, ça me fait beaucoup rire, vos numéros et tout. Je ne pense pas que ça soit assez près pour aller en demi-finale. Il ne faut quand même pas exagérer. En tout cas, voilà, je me réserve. Comme on dit. Oh là là, il est fort probable que vous soyez au chômage après le passage de l'émission à la télévision. Et en ça, vous serez très proche des Full Monty. Ça sera vraiment bien. Il y avait le R guitare, il y a le R sexe, il y a maintenant le R natation. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas, mais je pense que c'était essentiel aujourd'hui de vivre ça. On dit que le ridicule ne tue pas, il rend plus fort là. Messieurs, vous êtes immortels, vous êtes invincibles, c'est génial. Et je trouve ça tellement sympa que toutes vos filles soient là en train de faire... Ouais. Merci les filles, merci. Est-ce qu'on peut rajouter juste un petit mot? On avait un copain avec nous qui s'appelait Salim, qui faisait partie du groupe, qui nous a quittés tragiquement. Et on a voulu lui rendre hommage, de continuer ce show, de le faire pour lui. Et on a aujourd'hui Bilal, son fils, qui a remplacé au pied de la rue son Bilal. Papa. Et on le fait pour lui, voilà. Tu vois, c'est marrant parce que je me demandais, mais et je me disais, il est un peu jeune pour être papa, Bilal. Il est un peu jeune pour être papa, ouais. Bravo Bilal, tu cartonnes. C'est chouette de lui rendre hommage. Je pense qu'il aurait adoré ça. Vous savez, nous, quand on reprend nos vies normales, qu'on va à la boulangerie, tout ça, les gens, ils nous parlent de cette émission et nous disent « Mais pourquoi ?» Mais pourquoi vous avez mis ça? Mais pourquoi il y a eu ça, etc. Et je leur dis souvent, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent, qui bossent pendant des années pour monter des numéros de danse extrêmement pointus, etc. Et je leur dis que si on n'avait pas de numéros comme vous, ben on s'ennuierait un petit peu parce qu'on a aussi besoin de respiration et de sourire. Et là, vous nous en avez donné. Merci. Je pense pas que les numéros soient assez bons pour aller en demi-finale. Tout le monde a passé un bon moment, sauf que dans natation artistique, il y a le mot artistique et natation. Et on n'a pas vu ça. Mais vos filles sont en adolescence. Déjà, l'adolescence, c'est un moment difficile. Alors, pourquoi leur faire vivre ça aussi? Surtout à la télévision. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est que vous avez beaucoup d'humour et vous n'avez pas peur du ridicule. On a passé un bon moment. On va voter. Je pense que ça passe sa place ici. Pour moi, ça serait un non. Eh bien, vous savez quoi? Je me dis que ça serait extraordinaire de vous retrouver plus tard dans la compétition. Je trouve que ça serait génial, en fait. Donc, c'est un oui pour moi. C'est un oui. Merci. Je suis pas influençable. C'est mon année du non. Oui. Tu peux pas dire oui à ça. Tu dis oui à ça, tu perds le peu de crédibilité qui te reste. Tu peux pas dire non, c'était génial. Je reconnais que j'ai été impressionnée par la première ligne qu'ils ont faite parce que j'ai l'impression quand même que la prof de chorégraphie nautique vous a fait travailler au début. Qui c'est qui a mis en place tous ces trucs-là? On était coachés. Bonjour. Bonjour madame. Ah bonjour madame. Bonjour. Bienvenue, vous les avez bien fait travailler. Je sais pas ce qu'il y aurait après. Non, c'est pas sérieux. Attendez deux secondes les gars, on va se calmer. Madame, je vous aime beaucoup, même s'il y a les enfants. Non, on va se calmer. Alors, excusez-moi, je vous donne ma réponse. Non, c'est pas possible. Non, il y a un moment, faut être sérieux, ça décrédibilise tout. C'est oui. Je démissionne. Merci les filles, on vous aime. On a fait ça pour vous les filles, merci. Merci, les papounets c'est par là. Oh quel bonheur, oh quel bonheur. Moi, j'adore quand les messieurs font ça, ils se réunissent. Tu vois, au lieu d'aller jouer au poker ou d'aller voir du foot, ils se sont fait chier à monter ça. Et le début était plutôt bien fait. Quel bonheur. Quel bonheur. Moi, c'est Max, j'ai 25 ans. Et moi, je suis Brisco et j'ai 22 ans.
On est les Chili Brothers. Notre incroyable talent, c'est que je lance dans les airs et que je le rattrape. La plupart du temps. La discipline qu'on pratique est le cadre russe. C'est une discipline très peu répandue due à sa difficulté puis à son danger. Il y a un risque autant pour lui en cas de chute, et il y a un risque pour moi de blessure en cas d'une mauvaise rattrape. Le moment le plus dangereux dans le numéro, ce serait le temps où je vais me bander les yeux et je vais faire 3 saltos final. C'est le moment le plus stressant parce que toute la responsabilité est sur moi et je sais qu'il n'y a aucun moyen de sauver si jamais ça se passe mal. Et c'est ça la base de notre duo, c'est la confiance. Puis ce moment-là le symbolise à son extrême. Sérieux? Cette musique. Vous appelez comment les gars? Alors on s'appelle les Chili Brothers, Max et mon partenaire Brisco. Vous avez quel âge les mecs? J'ai 25 ans. Ouais. Moi j'ai 22. Et là le numéro il a combien de temps? Ce numéro là a quelques mois seulement. Ok. Et on a été bloqué par une blessure pendant quelques mois. Donc on a eu une semaine de répétition avant de venir ici et présenter ça. Ouais. C'était quoi l'accident? J'ai eu un petit accident à la cheville. J'ai cassé 2 os dans ma cheville. Ouais. J'ai une petite chirurgie ici. Wow. Ah, moi, j'aurais arrêté de travailler pendant 3 ans. Bon, Et là, les gars, pourquoi la France a un incroyable talent? Parce que c'est une émission que je regarde depuis tout jeune. Depuis que je veux faire du cirque, c'était la référence de la famille disant « Quand est-ce que tu vas à l'émission ?» Okay. Et, ben, et maintenant, c'est aujourd'hui, ça y est. Ok, c'est cool. Ça fait plaisir. Les gars, alors j'ai vu que le matelas se gonflait. Tant que le matelas n'était pas gonflé, vous ne faisiez rien de dangereux. J'ai trouvé ça un petit peu poule mouillée. Ensuite, sérieusement, il y avait plein de choses qui étaient très rigolotes. C'est que d'habitude, le cadre russe, on le met dans l'autre sens. Et là, on l'avait en pleine face et tu avais les yeux bandés. Et je me suis dit, peut-être, ça va tomber sur Hélène ou Marianne. Et je me suis dit, là, on a un grand moment de télévision. Vous ne l'avez pas fait, je suis déçu. Et sinon, j'ai trouvé ça extrêmement bien construit. C'est-à-dire le choix de musique, cette tension. Votre présence à tous les deux, c'est très hiératique, c'est très droit, c'est très fort, c'est très
costaud. Alors bien sûr, il y a toujours ce physique du porteur et du porté qu'on retrouve. Moi, j'aimerais toujours que ça soit inversé. Je trouverais ça plus drôle. Excusez-moi, si on fait un numéro Hélène et moi, Hélène porte et moi, je me fais porter, bien sûr. Ah, évidemment. Mais moi, je pense que ça serait génial. Hélène te porte et toi, tu me portes. Ah. Et on fait un truc... Et Samy, on le supporte. Excellent. Et moi, je me casse. Ouais. Pour conclure, les copains, c'est un bonheur de vous avoir ici. Franchement, bravo et bienvenue et merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Mais moi, j'ai trouvé que vous avez beaucoup de complicité, un peu comme nous quatre, quand les caméras s'allument. La seule critique, je pense que c'est peut-être que les figures se ressemblent un peu trop. J'aurais aimé une finale plus grandiose, mais sinon, sur le tout, je pense que c'était très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, une force maîtrisée, une vraie confiance entre vous et une détermination. Parce que je pense que vous avez très envie de nous offrir quelque chose d'un petit peu plus inédit. Parce que même si tu attendais un feu d'artifice final, ce que je comprends, j'ai trouvé ça d'un niveau qui m'a bluffé. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que dans ce genre de main à main, généralement, quand une figure est réussie, les mecs font « ha ha !» comme ça et tout ça. Et donc, vous n'avez pas fait « ha ha ». Faites-moi en au moins, faites-moi un ah ah. Bon, et c'est ce qu'on veut plus. C'est chouette, vous l'avez pas fait. Je vais vous dire très sincèrement mon sentiment. J'ai trouvé ça trop court. Je me suis dit, tiens, pourquoi ça s'arrête maintenant? Et je vais un petit peu vers ce que Samy a dit. J'attendais quelque chose à la fin que je n'ai pas eu. Voilà, c'est tout. On va voter, les copains. Pour moi, après tout ce que j'ai dit, c'est très naturellement un énorme oui. J'ai vraiment très hâte de voir ce que vous êtes capable de faire après. Ça va être un oui. Un troisième oui pour moi, évidemment. Ah ben, merci beaucoup. Et moi, je sais déjà qu'on se retrouve dans quelques semaines, là, dans pas longtemps. Moi, vous allez repartir avec mon nom. Parce que vous avez besoin d'entendre que vous n'avez pas quatre oui. Et ça va vous faire beaucoup de bien de se dire « Ok, on n'a pas eu quatre oui, on s'endort pas et on leur montre la prochaine fois. » Un petit truc en plus. Trois oui, un non, on se revoit à la prochaine étape. Salut les amis. Ça s'est passé très très bien, donc très content. L'objectif, ce sera avoir une réponse unanime pour la prochaine fois. Après avoir parcouru le monde entier, ils viennent spécialement pour vous ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir les Demented Brothers. Ça, je les aime. Bonsoir. Que faites-vous dans la vie? La tête qu'il a fait. Nous sommes les Demented Brothers. Qu'allez-vous nous faire ce soir? Nous sommes les Demented Brothers. Ok, on vous regarde. Ce numéro, c'est pour toi, Éric-Antoine. J'espère que ça va tenir ses promesses. C'est pas vrai. N'importe quoi.
escrocs. C'est quoi cette escroquerie? C'est la première fois depuis que je suis jury dans La France a un incroyable talent, donc je ne comprends pas le tour. C'est hallucinant. Moi, je dis souvent que les magiciens sont des escrocs, mais des escrocs honnêtes. Ouh, attention, ça va être plus fort encore. Tu prends des notes? J'espère qu'il est gros, ton carnet. Je dis souvent que les magiciens sont des escrocs, mais des escrocs honnêtes. Mais vous êtes plus que des escrocs. Vous venez de faire un braquage. Vous, c'est la Casa del Papel de la magie. C'est du pur braquage. C'est une honte. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime ça. Et ça me ravit. Merci. Vous avez montré à quel point les magiciens sont ridicules. Et que la magie est ridicule. Et ça m'a fait rire. Et plusieurs fois où je voulais pas rire, j'essayais de pas rire et je riais tout seul. Je suis perplexe parce que j'ai aimé et je me hais d'aimer ça. Bon, moi, je trouve que déjà le niveau de comédie est bon, vraiment. Mais alors, quand vous avez rajouté la magie, là, on a atteint le... Voilà, on était tout... Voilà. Là, vous avez fait un doublé gagnant. Et j'aime pas trop l'humour absurde, mais je dois dire que c'était finalement très intelligent. Est-ce qu'il vous reste des pages? Ok, on y va. Le titre, Escrocs et branleurs. À la ligne. Nous sommes habillés comme des liftiers de grand hôtel bavarois. Nous avons très peu travaillé, beaucoup gambergé. On a bu moult bouteilles et fumé grandes substances. Nous sommes complètement tarés, nous sommes à incroyable talent et nous avons réussi, quatrièmement à la ligne point, à soulever un public avec juste un numéro de fou furieux. On vote, les amis? Bah oui. Bah oui. Moi, je suis dans l'année du non cette année. J'ai décidé de dire non. Je donnerai un oui uniquement si le prochain numéro ne concernera pas que la magie et s'adressera à d'autres personnes de ce jury. Dans l'esprit de votre numéro, je vous dis oui et je vous buzz en même temps. Donc un oui. Ça fait 4 oui. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo, les gars. Les Demented Brothers vous remercient d'avoir apprécié leur magie. C'est pas mon genre d'humour, c'est pas mon genre. En fait, ils sont comédiens, je trouve. Ils sont comédiens. C'est tout. Mais ils se moquent des magiciens, ça fait du bien. It's showtime. This thing called love, I just can't handle it. This thing. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jason Levine. Je suis américain, mais j'habite en France maintenant. Ça fait 5 ans. Est-ce que tu manges du fromage qui pue? Oui, je le Livaro, tous les fromages. J'adore. Qu'est-ce que tu viens faire avec nous aujourd'hui? Je suis prof d'anglais. On peut te demander ce que tu vas faire ou pas? On va travailler les verbes irréguliers. Samy, tu vas pouvoir réviser ton français. On va se faire chier. Écoutez et répétez. Take, took, taken. Take, took, taken. Shake, shook, shaken. Shake, shook, shaken. Wake, woke, woken. Wake, woke, woken. Mais c'est pas mal, mais cette façon de faire est un peu ennuyeuse, non? Oui. The microphone, I take, took, taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style I'm creating. Think, thought, thought. Seek, sought, sought. Listen to the lesson that I teach, taught. Don't sleep, slept, slept. I keep prep, prep. I sneak, stuck, stuck up. Do leap, left, left. I keep, kept, kept. Having fun. I never beat, beat, beaten. I win, one, one. Say ho! Ah ouais.
Écoute, déjà, essayer d'enseigner l'anglais à la France, c'est très ambitieux, très très ambitieux. J'aurais rêvé d'avoir un prof comme toi. Et être un professeur, c'est un des plus beaux métiers au monde. Et toi, mais toi, t'es là-haut. Respect. Merci beaucoup. Alors, grosse surprise et on adore ça. On l'a pas vu arriver. Bravo. Merci. Pour moi, c'est un grand oui. Non, pardon, c'est yeah. Évidemment, oui. Yeah. Vous avez 4 oui. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Pas ouf. Oh yes. On devrait éliminer cette discipline de l'émission non, et non. de la France c'est et de la planète Terre. Non. Effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je pense que tu es un très grand siffleur. C'était un très très joli numéro et vous avez tout à fait votre place dans la France à un incroyable talent. Passons au vote. Pour moi, ça va être un non. Pour moi, ça va être un oui. Je suis désolé, c'est un non. Malheureusement, il y a 2 noms et voilà. Quel dommage. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Are you ready to rock and roll? Oh yeah! En fait, les cheveux, ils vont pas avec sa tête. On dirait Brad Pitt quand il avait 20 ans, les cheveux. Sens du spectacle, je suis pas sûr si on enlève tous les artifices, si ça tient. Tu sais, je pense que c'est un genre un peu dépassé, donc ça peut peut-être cartonner en France. Eh, vas-y, arrête d'insulter la France, retourne au Canada, gros. Mais je me demande qu'est-ce qu'il va faire en demi-finale. Est-ce que ça va être un kebab dans un saxophone? Est-ce que... Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fait lever tout le monde. Bravo. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. Oh. Mais pour lui, ça veut dire barbecue. Et... Allez, on vote. Pour moi, c'est de toute façon clairement un oui. Vous êtes dans ma journée du oui. Pour moi, ça serait un non. Je vais dire non. Merci, monsieur Jerry Carlson. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Superbe. Allez, c'est à toi. Bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va et vous? Trop tendu? Un petit peu, mais ça va aller. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Damien, j'ai 19 ans. 19 ans, donc tout jeuneau. Et d'où venez-vous? Je viens de région parisienne. On suppose que vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Oui, dans le tourisme. Dans le tourisme. Et là, pourquoi vous êtes là? Bah déjà, je suis en train de réaliser mon rêve, c'est quelque chose de dingue. Et pour faire passer un message et vivre une expérience de dingue. C'est sombré dans le jardin. Je chante depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire qu'à l'âge de 4-5 ans déjà, je créais des spectacles. Ma mère me disait que quand j'étais à la crèche déjà, je mettais un seau sur ma tête, je m'amusais à taper dessus et toute la crèche me suivait, donc c'est vraiment ancré en moi.
La musique dans ma vie, ça a été un échappatoire dans le sens où, dans les moments compliqués, ça me faisait énormément de bien et ça me redonnait beaucoup de confiance en moi. La musique pour moi, oui, c'est un grand refuge. Parmi les moments difficiles, il y a la relation conflictuelle que j'ai avec mon père. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément du mal à accepter et j'en souffre encore. D'où la chanson Papa Outé de Stromae que je vais interpréter ce soir. Ce choix de chanson est lourd de sens pour moi puisque c'est une sorte de message laissé comme ça dans une bouteille à la mer. J'espère, même si j'ai des barrières, le réveiller. Et c'est aussi une façon pour moi de montrer que voilà, j'aurais aimé plus de soutien de sa part, plus d'aide, père-fils. Parce qu'aujourd'hui, on a une relation un petit peu beaucoup même fantôme. Et ce message, vous voulez développer ou pas ? J'aimerais l'adresser à tous les jeunes qui sont en difficulté suite à des problèmes familiaux, leur redonner confiance en eux et leur dire que voilà, j'ai réussi avec ce qui s'est passé, je suis là aujourd'hui. Et du coup, voilà, leur donner beaucoup de force. Eh bien, on t'écoute. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qu'il ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Quoi? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aussi responsable. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur chez toi, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es papa, où t'es? Wow. Merci. Merci beaucoup. Quelle jolie note aiguë. Quelle jolie sensibilité. Au début, j'ai cru que tu allais trop maniérer la chanson, mais en fait, tu te l'es complètement appropriée. Tu as une vraie sensibilité. Je ne sais pas où il est ton papa, sérieusement, mais je pense qu'il a perdu une petite perle s'il n'est pas là. Damien, il y a énormément de couleurs différentes dans ta voix. Alors, tout le monde aura remarqué que les graves, les médiums, les aigus, tout passe très bien. Tu as pris des cours de chant dans ta vie ? Non. Non, ok, c'est vraiment naturel. Eh ben, dis donc, tu as un sacré don. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on dit toujours aux gens, il faut que tu donnes tout ce que tu as dans une audition. Non, surtout pas. Parce que quand la personne donne tout ce qu'elle a, nous, on en reçoit trop et on sent qu'elle est à ses limites. Toi, en fin de compte, tu en as encore sous la papatte. Donc, tu es très élégant tout le temps. Merci beaucoup. Dans ta manière de chanter, dans ta manière d'interpréter. Merci. Tu es vraiment un très bel artiste. Ouais. Merci. Et je pense que le signe qu'un chanteur est vraiment un bon chanteur, c'est quand la personne chante la chanson puis on dirait que c'est cette personne qui l'a écrite. Alors, c'est ça qu'on ressentait de toi, que ça venait de toi. Que ça pouvait être toi qui avais écrit cette chanson. De communiquer ça et qu'on le ressente, c'est déjà un très grand accomplissement. Merci. Merci beaucoup.
J'espère que Stromae va avoir cette interprétation. J'espère que tu auras l'occasion de le rencontrer. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations de cette chanson. Et j'en ai jamais entendu une aussi singulière. Qu'est-ce que c'est dur de se construire sans son papa? C'est dur de devenir un homme, un être humain à part entière sans son papa. Et bah, toi, t'es plus que ça. T'es un super homme. Donc, merci beaucoup. Bravo. Allez, va. Bah, on se le fait à trois. 1, 2, 3, oui! Merci beaucoup. 4 oui, Damien. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo. C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Tout de suite, t'as trouvé. Et puis après, tu dis, mais c'est pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'il se l'est réapproprié complètement. Mais pas juste ça, on dirait qu'il chantait. Ses paroles, il parlait. Il le vivait. Ouais, il le vivait. C'est trop fort. C'était le meilleur, genre. 4 oui. Tout le monde était. T'es trop beau. C'était vraiment trop beau. T'as eu 4 oui. Que des compliments. T'es parfait. T'es parfait, genre. Les compliments sont ouf. T'as aucun défaut. Le public de la France à la fin de ton mesdames et messieurs. Salut les zombies. À bientôt. Merci, vous étiez super. Merci. Le meilleur numéro de danse qu'on a vu cette saison, c'est sûr. Ils ont trop de talent. Je les connais pas, mais on va se connaître. Je suis très ému. Et je suis content que vous soyez là. Merci à l'équipe des casteurs parce que là, vraiment, c'était une très très bonne journée aujourd'hui. Oh, je me régale cette année. Vraiment, je me régale. Demented Brothers, j'ai adoré. Franchement, c'était absurde, mais ils m'ont vraiment fait marrer. Salut les amis, bonne soirée. Et maintenant, rendez-vous sur La France, un incroyable talent. Ça continue avec mon copain Donald Jacksman. Tchuss. Vraiment, vous êtes d'un très haut niveau. Je me souviens de toi pour toujours. Je pense que ça a disparu en même temps que la peste et je sais pas lequel a fait plus de dommages. Vous en avez mis mais plein la gueule. Non, je pense qu'il faut être sous pour vous voir. Vous avez perdu un pari, dites-moi, rassurez-moi. C'est un très très beau numéro, un pur joyau, un pur talent.